Et bien, salut tout le monde, c'est Mr. B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur Spider-Man 2 évidemment, n'oubliez pas la 4K 60 FPS. On se retrouve pour l'épisode 30 et ça, c'est un très beau chiffre, comme je vous disais, on va faire du sale. Mais avant de cela, il faut trouver le joueur de Saxo, et je pense l'avoir trouvé, vous l'aurez compris. Oh là là, les brocantes, ça manque les brocantes, j'aime bien faire des brocantes. Mais vas-y, me lever à 6h du mat, flemme de fou. Merci les amis. Oh, regardez son chat. Hey, salut Spider-Man. Hey Miles, Théo, c'est super ce que tu fais. Wow, je savais pas que tu jouais de la trompette. Ouais, comme ça, vite fait. Dis donc, j'allais t'appeler justement. Je suis passé chez Keynote Music ce matin pour faire réparer ma trompette. Et il y a des jeunes qui ont apporté un saxo qu'ils avaient trouvé dans la rue. Je me suis dit que c'était peut-être celui du musée. Je veux pas leur attirer d'ennui. Vous voulez certainement bien faire. D'accord, je vois le truc. Tu parles bien de Keynote sur Cathédrale? Ouais, demande Eugène. Merci, j'y vais tout de suite. Vraiment trop bien la trompette. Bon. Hey, man, j'ai retrouvé le saxo. Je vais le récupérer. Ay bendito. Angela sera tellement soulagée. Ça pourrait bien sauver le musée. Hé, hey, tu savais que Théo jouait de la trompette? Il est plutôt bon en plus. Tout le monde s'est rassemblé autour de lui dans le parc pour l'écouter. C'est bien pour ça que ce musée est si important. La musique enrichit notre communauté et rapproche les gens. Est-ce que je parle à ma mère ou à la conseillère Morales, là? Les deux. Sois prudent, Miro. Ok. Miro, ça veut dire mon fils? Parce que Hiro, ça veut dire fils. Mais Miro, je dirais que ça veut dire mon fils sûrement, non? Je dirais. S'il y a des Espagnols dans le coin, n'hésitez pas à me dire. Ah. Waouh. Waouh. Spider-Man, j'allais mettre une alerte sur votre appli. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des mecs chelous qui viennent de partir avec Eugène. Ils avaient l'air de le forcer. Ils sont partis par là. Merci, je vais voir ça. Avec une taille de masse comme ça Il va falloir que je scanne des indices. Ok. Ouais, j'ai oublié de scanner. Une masse? Ces types plaisantent pas. Je ferais mieux de retrouver Eugène. Ok. Yeah. Ah. Des traces. On dirait que Eugène a été traîné par là. Oh oui, il a été traîné par un mec avec des griffes. Les gars, Wolverine, c'est toi? Dis-nous où tu l'as mis. Rends pas les choses plus difficiles. Pourquoi j'aurais le saxo de Charlie Parker dans ma boutique? Vous êtes pas bien, vous? Sa place est dans un musée. On sait que t'as le saxo. Ok, saxophone. Matez ça. Dis-nous où il est. Je vous le jure sur la tête de mes enfants. Il est pas dans... Hé, les gars! Si vous voulez jouer de la musique... Je voulais que ça soit hyper stylé, ça a été hyper claqué. Ok. Voilà le reste de l'orchestre. Ok. Et ben voilà, qu'est-ce qui se passe? Si on brouille ou quoi, les man? Embrouiller les tiges. Merci, Spider-Man. Tout va bien? Quelques bleus, mais je peux faire avec. Le plus important, c'est qu'ils m'ont laissé mes clés. Tenez, prenez-les et ouvrez mon coffre. Le saxophone de Charlie Parker, le vrai, l'authentique. Je m'apprêtais à le rapporter au musée, quand ces types ont débarqué. Il s'en est servi pour enregistrer son chef-d'œuvre, Ornithologie, en 1946. T'es un fan de Bird? Mon père l'était. Je m'y connais pas trop en vieille musique. Vieille. Quand les rappeurs d'aujourd'hui font des accents syncopés, appuie sur les temps faibles et slalom autour du rythme.
Ça vient du bebop. Je tâcherai d'écouter plus attentivement. Bon, je le rapporte tout de suite au musée. Et j'appellerai mon assurance. Ok, merci. Et si je pouvais me connecter au téléphone qu'ils utilisaient pour communiquer avec leur chef? Wow. Que des zéros, c'est l'équivalent en chiffres de mot de passe pour un mot de passe. Un petit rendez-vous à minuit avec un baron du crime. Tout va bien. Allez, terminé, vaincre les cambrioleurs du musée. Les gars, Miles Morales, il a un truc... il est trop touchant. Ce héros est trop touchant. On en est à où, là? Harlem, va falloir débloquer tout ça. Alors, nous avons cible inconnue. N'importe qui peut le faire, vous l'aurez compris. Mauvaise blague. Ça, c'est moi qui peux le faire. Ça nous rapporte des petits trucs à gauche, à droite. Tout le monde a un avis, c'est pas ouf, voilà, pour être honnête avec vous. Et vous savez quoi? On va faire... c'est à 4000 mètres, on va faire ça. Qui c'est ça? Apportez le saxo et vous... Il est temps de s'occuper du chef de cette opération. Ah oui, et de trouver les dernières pièces du musée. Ah merde. Bah voilà. Bien sûr, musée de la culture débloqué. Bien sûr qu'on va s'en occuper, les petits pères. Parce que là, les gars, on a débloqué du très très lourd. Attendez, alors juste avant quand même, on va pas presser et vendre la peau de mamie avant... Je vais pas dire la suite. Je vais pas dire la suite, ça part déjà très très mal. Alors, déjà au niveau de compétences, on en a deux, ça c'est plutôt super cool. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça, regardez aussi, hein, ça c'est exceptionnel, hein. La surcharge symbiotique. Maintenez près d'un ennemi. L1 triangle pour effectuer un speeder sprint. Pas mal ça, j'aime bien. Pas mal ça, j'aime bien. Ok. Mais là, ce qui va être le plus important, c'est les composants de la tenue. Les amis, ça y est, on peut se mettre full life. C'est quand même assez incroyable. On peut se mettre full life, mais on peut aussi faire un tout petit peu plus de dégâts, ce qui serait pas mal non plus, je pense. Hein. Vous l'aurez compris. Eh, au diable l'avarice. Hein. Quand même. Hein. Là, je vais faire beaucoup plus de dégâts. Hein. J'aime bien. Hein. J'aime bien. Je sais que ça chicote, mais 10 jetons de... Aucun en vrai. Allez, on est parti, les amis. On va terminer dans cet épisode 30, la quête du saxophone. Les gars, tout pour la mama, c'est la base. Donc on y va. On y va, on y va. Et je pense que ça va être bien, bien chaud. Personne pour le moment. Je crois que je vais attendre un peu que la fête commence. Vous étiez censé nous payer à la dernière livraison. Vous serez payé une fois que j'aurai tout eu. Où est-ce qu'il est? Où est quoi? Louis a dit que vous m'apportiez le saxo. Louis a dit ça? Louis s'est fait choper par les flics. Je crois pas qu'il ait le saxo. C'est votre idée, ce rendez-vous? Non, pas du tout. Et il est où, notre fric? Où est le saxophone? J'en étais sûr. Darren? Le gros donateur du musée? Je dois interrompre leur petite fête et lui dire deux mots. Je ferais mieux d'attraper toute la bande avant qu'il y ait des blessés. On en a marre de pas être payé. On bosse pas gratuit. Qu'est-ce qu'il fout ici? Il nous faut Léon et l'artillerie lourde. Ils sont pas arrivés. Ok. Oui, quel menteur. Oh, le fils de pute. Il va falloir qu'on ait une petite conversation tous les deux. J'ai un cadeau pour toi. Viens par ici, toi. Toi, tu fais le balèze. Allez, ça dégage. Alors, le clébard, là? Voilà. Je crois que le compte est bon. Une explication avec Darren s'impose. Ah!
Merci, Spider-Man. Je vous assure que j'ai une très bonne explication pour tout ça. Ouais, ça me semble extrêmement douteux. Attendez que la conseillère Morales apprenne que vous trempiez là-dedans. Et Léo, il va nous débarrasser de l'araignée. Darren, reculez. Okay. Retour à l'embrouilleur. Ok. Toi, tu casses les couilles avec ton lance-roquette de merde là. Ouais, beaucoup trop fort. Sortez-moi là. Oh, j'ai cru que c'est moi qui m'étais assommé. Je pense Darren, c'est pas fini. C'est une blague ou quoi? Il était juste là. J'ai encore son numéro. On dirait bien qu'il est dans le coin. Aïe, 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 Darren! Mais tu déconnes! Je comprends. Ils veulent leur argent. C'est qui à l'appareil? C'est Louis? Darren! Arrêtez-vous! Spider-Man, vous pourriez pas empêcher ces types de me poursuivre? Vous vouliez pas récupérer ces objets? C'est vous qui êtes à l'origine du cambriolage! Non, 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 je tiens vraiment à ces objets. Vous avez fait semblant d'y tenir! Et vous les avez volés au musée! C'est l'histoire de cette communauté! C'est toute l'histoire de ma famille. Mais je sais que vous pouvez pas comprendre. Je pense pas que ce soit moi qui ai du mal à comprendre. On doit s'occuper des autres méchants. On doit intervenir et non, les envoyer connais, les gars. Par eux. Et Darren. Presque! Oh, j'ai trop d'avance maintenant. Oh, je suis mort! J'ai trop d'avance! Le sprint qui m'a coûté si cher! Ok, go. La police est en chemin. Non! Il faut que je rattrape Darren. Ah, vous êtes toujours là? Écoutez, mon père était un des plus grands producteurs de musique au monde. Il a produit la moitié des artistes dans ce musée. Tant mieux pour lui. Maintenant, arrêtez la voiture et dites-moi où sont les autres pièces. C'est parti. Pas cette fois, Darren. Qu'est-ce que c'est? Heureusement que je me rappelle où est le frein. Je devrais passer mon permis un de ces jours. Alors, que je comprenne bien. Toutes vos promesses de soutenir le musée. Le temps que vous avez fait perdre à Angela, pour l'organisation et la sécurité. C'était que des mensonges. Pour tenter de voler la collection. Mais ma famille... Non! Je suis sûr que cette musique compte pour vous. Mais ces objets ne vous appartiennent pas. Ils reviennent à la communauté. Allons-y. Vous êtes en état d'arrestation. Cet événement n'aurait pu exister sans le fruit du travail de notre formidable conservatrice Angela et de toute la communauté. Les efforts déployés pour retrouver les objets volés sont tout bonnement... Ok, ok, ça va. Merci à chacun. Eh ben voilà. On va fêter ça en beauté. Je
crois qu'Abuela avait un bouquin sur Florence Miles. Oh, on peut tout regarder. Je suis sûr que c'est des vraies histoires et des personnes qui ont vraiment... Oui, ouais. J'espère pouvoir dire que j'ai fait ce genre de choses un jour. Oui, 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 c'est évident. Il paraît que tu les as aidés à retrouver le saxophone disparu. Ouais, et je l'ai même tenu. Bird a fait des miracles avec cet instrument. Mon père était fan de Charlie Parker. Il serait content de savoir que tout le monde peut admirer son saxophone. Et peut-être même se remettre à la musique. La musique, c'est... magique. Et... c'est probablement le meilleur solo de jazz jamais enregistré par un musicien. Miles, franchement, il n'est pas génial cet endroit. J'étais jamais venu avant, j'ai un peu honte. Mais quand j'ai entendu parler du cambriolage, ça m'a donné envie de passer voir. D'après ce qu'on m'a raconté, le type était persuadé que tous ces objets lui revenaient de droit. C'est vraiment dingue les choses dont certains peuvent se convaincre. Hey, tout est rentré dans l'ordre. Il est mortel, ce musée. Ça m'a trop donné envie d'écouter plein de trucs. Ouais, grave. C'est tellement inspirant. Si tu veux, on se fait un petit déj demain et je te montre mes nouvelles idées de son. Carrément. Bon, je vais continuer ma visite. Ok. Oh, c'est la batterie de qui, ça, les frères? Clyde, ouais, c'est Stubblefield, un classique. Je vais m'intéresser à ce mec. Eh bien, écoutez, les amis, je pense qu'on a fait tout le tour. On peut aller participer peut-être au discours de la maman, non? Je sais pas. Non, ils veulent pas. Qu'est-ce qu'on a là? Et l'auteur de poèmes. Lennox Avenue, il y a quelques soirs, sous un vieux lampadaire qui fendait le noir. Seul, il se balançait. Seul, il se balançait. Elle claque ses paroles. Claude McKay. L'art et la musique jouent un rôle important dans le monde. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Oh, on espérait tellement que tu viendrais. Waouh, ta mère ne fait vraiment pas les choses à moitié. Ça, c'est vrai. C'est fou, un type qui se fait passer pour un donateur et qui vole la collection. Heureusement que son plan a échoué. Je suis bien d'accord avec toi. Ces objets ont leur place ici, pas dans l'offre d'un inconnu où personne d'autre pourra les voir. Alors, qu'est-ce qu'on a là? C'est pas le fameux saxophone. Gabriel Jones. Wow, c'est dingue. Ces gens qui arrivent à faire de la musique et à sauver le monde. Chien. Angela, je suis Miles, le fils de la conseillère Morales. Miles, elle me parle de toi sans arrêt. Félicitations pour l'expo. Je suis content que ça ait pu se faire. C'est grâce à ta mère et à Spider-Man, bien sûr. Ouh, ce quartier a une chance incroyable de les avoir tous les deux. Oh, Spider-Cat. Hey, Miles. J'avais envie de voir Catman. Ce saxophone à l'endroit qui lui correspond le mieux. C'est grâce à ton témoignage qu'ils ont retrouvé le saxo. Oh, pas vraiment, non. C'est surtout grâce à notre Spider-Man, le héros. Pas le chat. Eh ben, on va dire que ça a été un effort partagé. Tu feras une gratouille à ton Spider-Man de ma part. Ça marche. Ok. Je mets pour que vous puissiez lire un petit peu. Donc, en gros, le bebop, c'était des musiciens qui se lâchaient. Eugène avait raison. C'est ce que font les rappeurs. Je vais écouter ça tout de même. Ok, ok. Et ben, on va voir la maman. Je devrais finir de jeter un œil avant d'aller voir Man et de sortir. Ah, on a fait tout le tour, les copains, non? En vrai. En vrai, de vrai. Trouver Rio. J'ai pas trouvé Rio. Police Rio. Ça, on l'a déjà vu. Où trouver Rio?
C'est lui, je crois. Hein. C'est lui, le frère, le sang. Il est là. Ah ouais, Rio. Merci à tous. Merci mille fois. Angela m'a dit que le musée comptait un nombre record de nouveaux adhérents. Sérieusement? Il n'est plus menacé. C'est aussi grâce à toi, moi. Bon, maintenant, dis-moi, et si on faisait vraiment équipe la prochaine fois? Je pourrais avoir mon costume. Moi. Et si il avait des paillettes? Non, stop. Non. Arrête, arrête. C'est bon. Danse avec moi. Vas-y, apprends-moi. Ma communauté! 10 jetons, c'est juste insane, les amis. C'est juste insane. Nouvelle tenue débloquée. Oh, beau gosse! Spider beau gosse, mais je suis sûr qu'il va falloir utiliser des jetons pour craquer le merdier. Allez! Bon, écoutez, on va faire cette quête là-haut, là. On a le temps et ça va rapporter des jetons supplémentaires. On est super bien, les potes. Hein. Là, on est super bien. Mais vu que j'ai l'impression qu'on s'approche quand même un peu de la fin du jeu, je suis moyen serein en vrai, hein, je suis moyen serein. On va changer de tenue, les gars. On va changer... Ouais, tu vois, 2 jetons de héros, c'est énorme. Oh, waouh, par contre, il est vraiment stylé. Il est polygoné. Tenue grande responsabilité. Oh, ok. Tenue agent du shield. Ok. Ok. Oh, lui, c'est quelque chose aussi, hein. Vas-y. Ok. Tiens, attends. Ah ouais. Oh, c'est stylé. J'essaye de voir. C'est laquelle que j'ai déverrouillée, les gars. Il avait un chapeau. Il avait un chapeau. Il est là. Incroyable. Incroyable. Ok, cool. Trop trop cool la tenue. Qu'est-ce qu'on a là? Tenue hybride. Tenue avancée 2.0. Bah, on va passer à la tenue hybride en vrai. Hein. Ça me paraît pas mal. Hein. Et on a quoi d'autre? Tenue améliorée. Oh, c'est celle du film celui-là. Hein. Avec Tom Holland. Tenue améliorée aussi. Premier film, deuxième film. Ok. Niveau achat, qu'est-ce qu'on a? On a la santé, on a la concentration. Qu'est-ce qu'elle nous propose? Ralentit le temps afin que vous receviez un coup alors que votre santé est critique pour vous donner une chance de l'esquiver. Valable une seule fois par combat. Effectue mode fusil, affiche désormais les ennemis qui peuvent voir votre cible actuelle. Augmente la quantité de santé régénérée grâce à la concentration. Ok. Bon, écoutez les amis, je pense qu'il est temps d'investir là-dedans. Hein. Il est totalement temps d'investir dans la vie. On n'en a jamais trop, vous le savez. Et après, il y a les gadgets aussi, ça fait mal au cœur. En vrai, pourquoi pas. Ça, faut que j'utilise aussi quand même. Ah, il me manque un jeton de héros. Un jeton de héros. J'ai des trucs en fait à utiliser à gogo, ça peut être pas mal. Allez, on va le chercher ce jeton de héros. Oh, comment elle est stylée la tenue, les gars. Cher Danny Caster, vous vous souvenez des vols récents au centre culturel de Harlem? Eh bien, il semblerait que Darren Shikman soit derrière tout ça. Et si ce nom vous dit quelque chose, c'est parce qu'il s'agit de ce multimillionnaire dont on voit le nom partout, parce que son argent est partout. Du coup, aujourd'hui, une invitée spéciale est venue évoquer ce sujet avec nous et nous parler d'un nouveau programme. On dirait bien un autre nom. Allez, on est parti. On est tipar, les potes. Je peux pas le faire? Ça va faire un peu de bruit. Allez, c'est petit pas. On va finir en beauté, je vous le dis. C'est l'enfer! Mais je t'entends, papa! J'abandonnerai pas! Wouh!
Mais non ! Plus qu'à les retenir encore un peu ! Oh là là, c'est dur ! C'est dur, mais c'est stylé. Fouh. Waouh. J'ai me soigné, les gars. J'étais à deux doigts. Ok. Qu'est-ce qui se passe? En vrai, les gars, lui, il y en a un. Il faut que je tienne. Il y a des gens à l'intérieur. C'est si dur, les gars. Je vous jure que c'est dur, ça me fait des tendinites. Allez, c'est le challenge. En même temps, on fait ça pour beaucoup de points quand même. Ils sont beaucoup trop véloces. Il faut que je tienne. Il y a des gens à l'intérieur. On élimine les bonnes personnes. Eh ben, quand on élimine les bonnes personnes du premier coup, ça passe quand même beaucoup mieux. Ouh. Allez, 4 jetons. Je peux vous dire que c'est pas mal. Même si ça m'a quand même tué deux fois, ces conneries. Hein. Ça m'a quand même tué deux fois. Hein. C'est quelque chose, hein. Ok, qu'est-ce qu'on a? Allez, est-ce qu'on fait l'autre quand même pour la gourmandise? Allez, on fait l'autre, les amis. Épisode 30, on y va. On donne tout ce qu'on a. Parce que c'est ça aussi le plaisir. Et en plus, ça va nous faire des jetons. Et ça va détruire ces trucs dégueulasses qui pourrissent la ville. Ok, let's go. Encore une. Ces trucs sont pas commodes. Charge Sonic prête. C'est parti. C'est parti.
Mais c'est sans fin! Ok. C'est normal que je fasse des bruits bizarres! Parce qu'ils sont tellement forts! C'est fait. Super. Et ben voilà. Et ben écoutez les amis, on va essayer de prendre un peu de hauteur, essayer de comprendre un peu où il peut y avoir d'autres, comment on appelle ça, d'autres trucs comme ça un peu chelou là. Ben, on va essayer de monter là-bas. Il y a la tour des Avengers pas si loin que ça en vrai. Ben, je ne vois plus rien en vrai. Hein. Je pense qu'on a nettoyé New York de ces conneries, les frérots. Et ça, ça fait plaisir. Ok, bon. Écoutez, en termes de gadgets, on peut se débloquer des trucs. Mais aussi en termes de santé aussi. Alors là, le choix est quand même assez terrible. Même si on... Attends, on n'a pas ça. Hein. On n'a pas ça. Hein. Allez, on se le débloque, les gars. Ok. On va déjà l'améliorer. Ça fait quoi sinon? Ok. Et ben voilà, on a plus de pièces high-tech et tout. On est très bien. On est très très bien les amis. Qu'est-ce qu'on a là? Améliore le rechargement de la surcharge. C'est pas mal tout ça. Une fois. Et le frérot. Voilà. Bon écoutez, on s'est très très bien amélioré. Cette tenue est incroyable, hein. Je vais la garder de ouf. On s'est amélioré. Puis franchement là les gars, c'est incroyable tout ce qui se passe. Il y a un petit crime pas loin, mais qui est quand même à 600 mètres. On va s'arrêter là, je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Et à bientôt, tout le monde, pour la suite de notre incroyable aventure. Bisous, bye bye.